et messieurs, veuillez applaudir Nicolaski. Et là, la foule m'acclame. Bon, Nicolas. Et voilà, Hélène. Avec ces deux piles neuves, ton alarme incendie va pouvoir jouer son rôle. Avec Max dans la maison, on n'est jamais trop prudent. Hé, Sam, j'ai un super tour. Prends une carte, n'importe laquelle. Sauf celle-là. Non, pas celle-là. Quoi? Tu vas pas choisir celle-là? Bon, tant pis, on oublie ce tour. Regarde ça. Abracadabrasier. Quasi tapikaki. Bon, d'accord. Mes tours ne sont pas encore au point, mais quand je ferai mon spectacle tout à l'heure, ce sera parfait. Je compte sur toi pour venir, Sam. Ça aurait été avec plaisir, mon grand, mais on doit recevoir la visite d'un haut gradé cet après-midi à la caserne. Et justement, je dois y retourner. Oh... Examen de sauvetage de civil. Épreuve sur le terrain numéro 1. Je le tiens. Vous êtes prêts? Je vous l'envoie. On n'attend plus que toi, Sam. Arrête de claquer des dents. Je suis désolée, commandant. C'est... L'idée de passer l'examen, ça me rend vraiment, vraiment... nerveux. Oh, portillon. Oh, misère. Regarde ça. Zibidi Zaba, Zibidi Ziza, l'œuf dans ma main, tu le vois? Il est plus là. Tu rigoles? C'est pas de la magie. On voit tout de suite que tu as caché l'œuf dans ta manche. Quoi? Moi, jamais. Marie, tu mens. Oh. Personne ne va jamais croire que tu es un vrai magicien, Nicolas. Bien sûr que si, tu vas voir. Marie, tu voudrais pas m'aider? Accepte et tu auras le rôle principal dans le grand final. Nous poursuivons l'examen. Épreuve sur le terrain numéro 2. Oh, j'espère que je vais pas tout faire rater cette fois-ci. Je te tiens, Dolly. Oh. Portillon. Bravo, Portillon. Je suis désolé. Tu vas être content. J'ai trouvé tout ce que tu m'as demandé. Génial! Merci, Marie. Un projecteur. Un ampli, super. Oh, deux lampes. Une stéréo. Bravo, magnifique. Ça, ça sera parfait pour mettre le numéro en musique. Oh, il n'y a plus de place pour rajouter une prise. Mon numéro sera beaucoup moins spectaculaire si je dois le faire sans musique. Et si tu mettais des piles dans l'appareil? Comment ça, des piles? Mais enfin, tu veux que je trouve des piles où, ici? Oh, une seconde, je crois que j'ai trouvé. Moi j'adore les tours de magie. Oh, il y a des centaines de spectateurs. Vite Marie, entre dans la boîte. Et tu n'en sors pas tant que je n'aurai pas crié ton nom. Tu m'avais dit que je ferais partie du grand final. Mais oui, c'est ça le grand final, je te signale. Alors entre dans la boîte. Beurk, Nicolas, il y a plein de poussière et toiles d'araignée. Bon, en scène. Examen de sauvetage de civil. Épreuve sur le terrain numéro 3. Julie, toi, tu vas gérer l'incendie d'en bas. Sam, tu vas éteindre le feu de là-haut. Et toi, mon petit Elvis... Oui, j'écoute, chef. C'est toi qui iras sauver Dolly. Et par sauver, je veux dire ne pas la lancer dans le vide ou ne pas la noyer. Compris? Oui, chef. Bonbonne d'oxygène remplie à 100%. Le feu est éteint. Dolly, où es-tu? Ah, ça y est, je te vois. Et cette fois, je ne te laisserai pas tomber. Non! Dolly! Du thé? Oui, avec plaisir, mon général. Portillon! Oh, misère! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici le petit Nicolaski! Génial, génial! Désolé, voici le génial petit Nicolaski!
Ah! Babiti, Bobetti, Bibidiba! Un lion de ce chapeau dans une seconde sortira! Hé! Reviens tout de suite, tu vas gâcher le numéro! Peu importe, c'était fait exprès! Tada! J'adore! Il a une machine qui fait de la fumée! Bien sûr que j'ai une machine qui fait de la fumée! Et maintenant, on va passer à la suite! Minute! Cette fumée, ce n'est pas moi qui l'a fait! Oh! Mais y a le feu! Tout le monde dort! J'appelle tout de suite Sam! Vous êtes là? Félicitations au commandant Steele, au pompier Julie Maurice et au pompier Sam Joanneau. Vous avez tous réussi l'examen. Quant à toi, Elvis Portillon? Annoncez le résultat, je sais déjà que je l'ai raté. Il y a le feu chez Max Caro. On signale un incendie chez les carreaux. Julie, toi, tu coupes l'électricité. D'accord. Elvis, Julie, vérifie que tout le monde va Elvis, bien. Pompier Sam, bonbonne d'oxygène remplie à 100%. Tout le monde est en sécurité? Oui, c'est bon. Où est Marie? Oh non, elle est enfermée dans la boîte. Vous allez tous rester ici. Je vais aller la chercher. Le courant est coupé, ça y est. Merci, Julie. Marie? Marie? Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va, ne t'inquiète pas. On contrôle la situation. Allez, on y va. Oh, merci, Elvis, merci beaucoup. C'est bon, tu n'as plus rien à craindre maintenant. Voilà pourquoi on ne doit jamais brancher trop d'appareils sur une multiprise. Je suis désolée, Sam. Je voulais juste que mes tours de magie soient spectaculaires. Et on aurait dû se rendre compte plus tôt qu'il y avait le feu. Mais voilà, j'ai dû prendre les piles du détecteur de fumée. Alors ça, c'est totalement irresponsable de ta part, Nicolas. On ne doit jamais retirer les piles d'un détecteur de fumée. Je sais, oui, pardon. Je le referai plus. Mes chers collègues, j'aimerais vous féliciter pour la façon dont vous avez géré cet incendie. Beau travail. Et quant à toi, Elvis Portillon? Oui, chef. Magnifique ton sauvetage. Vraiment, quel courage. Tu as réussi l'examen avec en prime une mention. Quoi? Oh, merci du fond du cœur, monsieur. Elvis, tu as été génial. Et pour te remercier, on aimerait te montrer un tour de magie. Oh, de la magie, chouette, bonne idée. Ouais, allez-y. Zibidi, zaba, zibidi, baba. L'œuf devant vous va vite disparaître. Oh, c'était fabuleux, bravo. J'ai réussi. Je l'ai. Portillon? Pardon, désolé, chef.